Bon, comment c'est parce qu'on peut éditer. On dit quelque chose. Je sais pas, je vais le voir en cours de route. Bon. Hey, demain matin, ce sera pas drôle. Ok. Non, mais là, c'est take 2. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Action! 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 Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale de Pipito Live au Costa Rica, en direct du Guanacaste. En fait, nous sommes maintenant, c'est la période des fêtes, on est chez des amis, on est chez Claudio, chez Marie-Josée, chez Pascal, Caroline, elle est là aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vous faire partager une expérience culturelle et aussi de vous expliquer un peu la façon de faire le chili guaro traditionnel du Costa Rica. Le chili guaro, c'est le shooter national du Costa Rica qui est fait avec le guaro, en fait, qui tient son origine de la OK? Bon, là, en fait, on va être bien honnête avec vous, OK? Parce que c'est la deuxième fois qu'on reproduit cette édition de l'émission parce que tantôt, Pépito a pesé sur le mauvais piton. Non, on recommence. Donc, le chili guaro, en fait, c'est le shooter national du Costa Rica qui a été inventé, en fait, ici à Playa del Coco, Guanacaste, Costa Rica. Donc, le guaro. OK? C'est la liqueur nationale. Non, non, mais là, maintenant, c'est sérieux. OK? Un peu de décorum, s'il vous plaît. De décorum, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. Télé Sino va vous le mettre en bas de l'écran. En fait, c'est la bonne marche, la bonne façon de faire les choses. OK? En fait, donc, c'est le guaro. Ça vient de la canne à sucre, le Costa Rica, c'est la liqueur et en fait, c'est muy barato. Donc, ça coûte vraiment pas cher et c'est absolument délicieux. Donc, vous pouvez le boire comme ça et aussi, en fait, si vous voulez le boire à la Josée, OK, c'est avec un peu de lime, un peu de guaro, shooter. Oh, pensez l'avoir. Pensez l'avoir. On va en faire un autre, OK, comme ça. Et voilà, shooter. Okay. Donc, par la suite aussi, on va vous montrer avec beaucoup d'éthique et de décorum comment boire la bière au Costa Rica. C'est le temps des fêtes. Maintenant, les amis, n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût. Surtout si c'est la deuxième take de l'émission. Bon, là, je ne sais pas parce que là, en fait, Télésino est de l'autre côté. Télésino, peux-tu nous dire si ça vire encore là, la pellicule ou s'il faut que je recommence une troisième fois? Tout est beau. Fait que, thumbs nous up, Télésino. Télésino, en passant, nous mettrais-tu, je ne sais pas, c'est le temps des fêtes, de la musique de Noël. Hein? Bon, c'est bon. OK. Correct. Peut-être. Non, mais peut-être quelque chose de moins quétaine, un peu, c'est quand même un peu moins quétaine. Non, mais chrétien, non, ça c'est, non, quelque chose d'autre entre les deux. Pas quétaine, pas mini chrétien, entre les deux, in between, OK? Thank you. Bon, gracias. Donc là, vous le dites, OK, c'est de vous montrer comment faire le chili guaro. Donc, c'est ça, le guaro, un tiers, un tiers, un tiers. Mais là, c'est plus qu'un tiers, par exemple. Ah! Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, ici, j'ai un tiers de guaro. Donc, là, maintenant, l'objectif, c'est de rajouter avec une entonnoir costaricienne. OK? Après, maintenant, là, il y a le guaro traditionnel, puis il y a le guaro. Ça vire-tu encore? Ou faut que je recommence? Les tomates en premier. OK. Ah! Le jus de tomate en premier. OK. Donc, la recette secrète de Pépito, c'est de réduire la version limon et de rajouter la version tomate. Parce que, en fait, si on fait un tiers, un tiers, un tiers limon, c'est beaucoup plus limoneux. Donc, ce qu'on veut, c'est moins limoneux. OK? Et puis, on veut, en fait, faire un poquito más tomate.
le jus de tomate, il a été un peu aguaté. il y a un peu d'eau, je pense, hein, parce qu'on a acheté ça quelque part. Bon. Oh! OK. Comme ça. Correct, Marie-Josée? Correct? OK. OK. Marie-Josée. Donc, en fait, Josée égale Joseph. Hein? Bon, San José au Costa Rica, ça veut dire Saint-Joseph. OK? Donc, si vous habitez à San José, vous êtes ce qu'on appelle au Costa Rica un Josefino. Il m'apparaît qu'il manque un tiers de quelque chose, ça doit être le jus de lime. Mais le jus de lime, on n'en met pas le tiers parce qu'on veut l'avoir moins limoné. OK? Donc, en fait, par rapport aux gens qui habitent à San José, OK. Donc, les gens qui habitent à San José, en fait, aussi, on les appelle des Chepéens. OK? Chepé. OK? San José. OK? Bon, ça, c'est la leçon, en fait, de la partie de l'émission où on parle de comment parler espagnol. En fait, au Costa Rica, San José, pour les Costa Ricains, on dit souvent pas San José, on dit Chepe. OK? OK? À donde vas? Yo me voy por Chepe. OK? Donc, je m'en vais à San José. Donc, je m'en vais à San José. Là, je t'appelle Playa del Coco. Hey, je suis quasiment rendu là. La seule chose qui manque, les amis, maintenant, mon entonnoir costaricienne, comme ça. Ça c'est, parce que si vous essayez de le faire comme ça, c'est possible aussi. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Hein? Comme ça, là, puis après ça, vous essayez de rajouter, il vous manque un petit peu de jus de lime. Tu sais, comme ça, ça ne rentre pas très bien. OK? Donc, sérieux, là. OK? Elle, là. Ah! OK. Bon. Donc, c'est important comme ça. Un petit peu de ça. Un petit peu de poivre. OK. Pimiento. Un petit peu de poivre. Un peu de poivre, comme ça. Un peu de poivre. Après ça, Tabasco. Dans la première émission, j'ai oublié le Tabasco. Donc, mes amis me rappellent que c'est bien important de rajouter le Tabasco. Il faut un bouchon. Après ça, c'est muy importante de brasser. OK? OK? Ça tourne-tu? Ça tourne? Hey, ça tourne! Ça tourne! OK. Hey, là. Non, franchement, je ne recommencerai pas trois fois. Je suis pas capable! Je suis pas capable. OK. Mais je pense que c'est réussi. Donc, en fait, le guaro, ça existe au Costa Rica depuis longtemps. En fait, ça existe au Costa Rica parce que ça vient de la canne à sucre. OK, c'est fait à partir de la canne à sucre. Donc, ça a été, en fait, inventé au moment où le Costa Rica, et pas juste le Costa Rica, parce qu'à ce moment-là, le Costa Rica faisait partie du Guatemala, le Guatemala faisait partie, de l'Espagne. Donc, c'est bien compliqué, mais en tout cas, juste pour vous dire que, OK, dans un processus de vouloir obtenir vraiment son indépendance économique et son indépendance par rapport à l'histoire de... Ça fait-tu du bon sens, ce que je suis en train de dire? Ouais, par rapport à l'Espagne, en tout cas. Fait que, en fait, au Costa Rica, on a décidé d'inventer, en fait, leur propre boisson. OK? Bien que c'est très bon. OK? Donc, mais... Et je pense qu'il y a un petit peu trop limonné. OK? Donc, c'est très important, les amis. C'est le contrôle de la qualité. OK? Donc, on va y remettre un peu de jus de tomate. Puis, il ne faut pas trop remettre un peu de glace. OK? C'est bon. Là, on le remonte. Comme ça. Très important. Un tiers, mais moins de citron. Là, on va y rajouter une dernière fois. Il est à point. Il est bon. Il est à point. OK, là, on est prêt. Là, c'est le moment, dans la soirée, parce qu'après avoir ingurgité tous ces processus chimiques-là, d'inviter les amis à compartir. Compartir, en fait, ça veut dire, au Costa Rica, partager. OK, donc, ici, l'important... OK, sel, poivre, gros sel, sel, petit sel, gros sel, poivre, ce que vous voulez. L'important, c'est de faire un beau bord comme ça qui paraît bien à votre verre. OK, donc là, comme ça. Et pour faire la
touch de Pepito. À qui estamos? OK? Donc, OK? Marie-Josée? Oui. Pascual? Bon. Bon, Marie-Josée, est-ce qu'il est vraiment meilleur que tantôt? C'est dommage pour vous. Vous avez manqué, la première émission. C'est beau. Là, ça, les amis, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette émission ici ou l'émission de tantôt, mais en tout cas, je vais vous répéter une chose. Cacique. L'as-tu dit? Si. Non. Je ne l'ai pas dit dans, dans l'autre émission, ça n'a pas marché. Cacique, en fait, OK, Guaro, c'est le type d'alcool. Cacique, c'est la marque. OK? Donc, si vous allez dans un bar, OK? Là, vous voulez avoir un shooter de cacique qui est juste comme, pas un guaro, mais juste un shooter de cacique comme ça, OK? Là, vous dites, OK, comme ça, OK? Non, c'est comme ça. OK? Comme ça, OK? Quatre plumas, quatre plumes, cacique. Voici, OK, parenthèse culturelle dans le volet de l'émission. Cacique, en fait, ça veut dire, c'est un chef indien du Costa Rica. Regardez, un chef indien. Je pense que j'avais même pas dit tantôt. OK? Fait que là, ça, c'est le cacique. OK? Chausio est au deuxième étage. Hein? Oh, oui, ça commence à... Parce que là, ça commence à... À chauffer. Tourner. Non, mais ça tourne un peu. Ah oui? Ça oh, tourne c'est pas. Les fils, ouais, il y a quelque chose qui tourne. OK, là, il me semble que là, j'ai couvert pas mal toutes les bases. Non, la lame. J'ai pas fini l'émission, là! Fait, hey, là, on vient juste de commencer. OK? Fait que là, ça, c'est le chili guaro. Télé-chino, ça roule-tu encore parce que j'ai pas envie de recommencer une 8e fois? OK, ça roule. Bon, c'est beau. Fait que là, je vais vous expliquer comment boire. OK? Avec modération. OK? Ah, pas d'allure. Donc, il y a une chose qui est très importante. Oui. Non, mais tout ce que je vous dis, là, vous avez pensé d'être Pepito, il est viré sur le top, il est capoté complètement. Là. Ah oui, 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 Claudio, tu peux. C'est que, en fait, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Okay, donc, les Costariciens, en fait, c'est pas pour rien, c'est le peuple le plus heureux de la planète. Là. Okay? Donc là, je vais vous montrer, en fait, l'autre chose. C'est une variance de ça. OK, on ne change rien. OK, fait que là, je suis trop proche, trop loin. La bouteille, parce que là, la bouteille, ah, il y a la bouteille ici. OK, fait que là, Télésino vient me dire que là, en tout cas, la bouteille est ici. OK, là, ouais, là, j'ai la bouteille, mais il manque le jus de lime. Un verre avec du jus de lime. Merci. Ça prend de l'allure. Non, mais ça prend des bons amis pour. Donc là, l'important, les amis, en fait, c'est le jus de lime. OK? Bon. Lime, jus de lime, verre. Là, l'autre étape, en fait, c'est de prendre une. Là. Il y a une chelage aux bouteilles. Ah, OK. Okay. OK. Tout le monde est là, là. Okay. Non, non, mais tout le monde est là. Non, mais là, c'est parce que, les amis, la première fois qu'on a fait l'émission, toute l'émission a scrappé parce que. Marie-Josée, rit pas de moi, là. Pas de favor. OK? C'est parce que. Là, je ne sais pas si ça a l'émission. Oui, Télé-Sino, c'est la faute. On va blâmer ça sur Télé-Sino. En fait, là. En fait, là, maintenant, on est dans la deuxième version, version numéro 2 de l'émission. En fait, puis là, j'étais rendu, puis là, la batterie, elle a coupé. OK? Donc là, on a pris une pause. Hein? 10 minutes. Fait que là, on essaye de continuer. OK? Fait que là, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas. Ça devrait bien aller.
là, l'important, là, on était rendu plus dans la version de ça. On était là rendu dans la version Michelada. Michelada Botella. Si vous venez au Costa Rica, OK, puis vous voulez déguster une Michelada Botella dans un bar. C'est, en fait, c'est la façon dont les Costariciens, une des façons dont les Costariciens, parce que je vous en montrerai une deuxième tantôt, boivent leur bière. Donc, l'important. Ah, Marie-Josée me rappelle que, en fait, fait que l'impérial, OK, impérial, si vous voyez comme faux, je ne sais pas comme faux, comme faux, en tout cas, comme faux, OK, fait que c'est un aigle, l'aigle. OK, fait que si vous venez au Costa Rica et vous voulez un impérial, vous dites au serviteur, au bar, au bartender, OK. Non, mais là, je suis tanné de faire rire le bruit. OK, là. Mais ce qu'on vous dit, les amis, c'est toute la vérité. La vérité est toute la vérité. Alors, voilà. Et ça, OK. Donc là, ce qu'on veut vous montrer, c'est Michelada. Michelada, c'est, OK, en fait, vous prenez un verre de jugo de limon, de jus de lime, et vous plantez la bouteille, OK, de Imperial, OK, à l'intérieur du verre, del vaso, du verre, del vaso, ou le vaso, des jugo de limon. OK, bon. Après ça, par la suite, ce que vous faites, l'important, c'est de rajouter un peu de sel de, OK, autour du jus de lime. On parle de sel. OK, à l'intérieur du jus de lime. OK, bon, c'est bon. OK, de l'intérieur du jus de lime. OK, mais là, ça me prend une bouteille. Sur le mur, à l'arrière. Il est à sa place. OK. Bon. Là, c'est bon. Et voilà. OK. Michelada Botella. Non, mais c'est sérieux, les amis. Très bon. Alors, voilà. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est de prendre la Michelada. OK, la Michelada, en fait, c'est la Michelada, en fait, en canette. Là, on s'excuse parce que c'est la 38e version de l'émission. OK? Donc, ici, l'idée, c'est de mettre un peu de jus de lime directement sur la canette, y rajouter un poquito de sal, un petit peu de sel, OK? OK, arrive à la bouteille, OK? Ben, en fait, sur le... Puis là, quand vous avez... En tout cas, là, vous pouvez pas voir avec la caméra. Ouais. Hola. Señor. Et si, à qui est-ce que OK? Fait que je suis ici. OK, donc là, l'important, c'est que... Tranquille, OK? OK. Bon, là, avec vous, vous avez le jus de lime, mais là, il manque un peu de jus de lime. OK? Bon. Là, avec vous, vous avez un peu de jus de lime, puis un peu de sel, OK? Bon. OK, bon. Là, ça marche. Là, ce que vous faites, là, c'est bien... Le timing est bien important. Michelada Lata. OK, comme ça. Je ne sais pas, mais je pense que c'est Marie-Josée qui applaudit. OK. Non, non. OK, c'est bon. C'est correct. Je douche. OK. C'est possible de faire un time-out, là. Télé-sino, time-out, 2 minutes. On revient après la prochaine annonce commerciale. Je ne sais pas pour manger après. Là, on est rendu où? Là, on est rendu sur le bateau.
Le vaso. Là, on a fait les Michelin à la vaso, on a fait la bouteille. Ah, non, on a fait le vaso. On n'a pas fait. Non. OK. OK. Bon, là, on continue. On roule. OK, bon, là, les amis. Claude, es-tu correct? Moi, je suis parfait. Donc, maintenant, les amis, merci Pascal pour nettoyer tous les dégâts de Pépito. En fait, fait que maintenant, pour faire le Michelada. Michelada, en fait, là, je pourrais faire une émission spéciale sur les Micheladas. Michelada dans les yeux. J'ai quelque chose dans les yeux, je pense, je sais pas c'est quoi. En tout cas, en fait, là, sérieux, les amis, là, buvez avec. Comment? Modération. OK. Là, maintenant, les amis, en fait, là, c'est. Non, mais c'est important parce que si vous venez au Costa Rica, c'est important de savoir la culture locale. Donc, le Michelada Vaso. Au vaso, OK, c'est très important de savoir la différence parce que dans certains endroits du Costa Rica, ils vont dire, on roule-tu encore, Télésino, là? Oui. On roule, OK. Alors, là, on ne serait pas obligé de recommencer une 15e fois, là. Pépito est capable. OK, Michelada. Oui. Très important, c'est délicieux, c'est une bonne façon de boire, apprécier la bière du Costa Rica. Donc, premièrement, ça prend des coupes de glace, OK? Donc, par la suite, un poquito de jugo de limon, OK? Par la suite, un poquito. Non, mais là, j'ai oublié de mettre le sel autour. Un peu de saloto. Après ça, très important, spécialement pour mi amigo Claudio, la bière. OK? Donc, va la chercher. OK, viens la chercher. Mais non, mais je vais te rajouter un petit peu de. Un petit peu de lait. OK, gracias, con mucho gusto. Isano? Pourquoi? Non. OK. À qui est-ce OK. Bon, je suis ici. Oui. Donc, c'est la take number 18 or 34. I don't know. Are we doing this show in French and English or what? En français. Hein? En français. En français? Je pensais qu'on faisait. Non, mais. Faut-tu recommencer encore? Non. La prochaine fois en anglais. Ah! La prochaine fois en anglais. OK. OK. Donc là, les amis, sérieusement, la modération a beaucoup, beaucoup d'importance. OK? Là, on a vu. Hey, you mon chili guaro? Et où habiter? On l'a vu! Ah! Pascal! OK, là, les amis, non, mais l'important dans tout ça, Pépito Live Costa Rica, c'est de vous partager de la culture locale du Costa Rica. Non, Marie-Josée, tranquille, OK? Là, le Chibi Guaro, sérieusement, OK, même si je suis souverain, OK, donc là, vous avez vu ça. Vous avez vu le Michelada Vaso et vous avez vu la bouteille. La Michelada Bouteille. Là, les amis, vous êtes prêts pour venir visiter le Costa Rica. Oui, Caroline? Lisano. Ah! Alors, hey, les amis, là, on va comment? Parce que j'ai oublié la salsa des allos. OK. Ah non, mais c'est une autre histoire. OK. Là, OK. Disons que vous adorez. Oui. OK.
le Che Guevara. Voici la version numéro 12 ou 13 ou 4 ou 15 ou... De verre. Non, vous allez aimer ça. OK? Carrie a dit, hey, d'un coup, vous n'aimez pas ça. Vous allez aimer ça. OK? C'est la salsa des annons. En fait, ce que vous faites, là, c'est un bonus numéro 4 ou 5 ou 16 là, de l'émission. OK, 42 de l'émission, 42 de l'émission. Fait que là, vous prenez le Che Guevara original. Là! Là, mon ami. OK, là, vous faites, dans le Che Guevara original, vous rajoutez la salsa Lizano. Assis. Oh! OK. Là, les amis, là, on brasse ça. Là. OK. Oh non, on commence. OK, on commence. Wow! J'ai goûté, moi. Hmm. Todo está muy rico. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette version spéciale de Pepito Live Costa Rica. OK? Y aquí estamos en la sombra, en el Playa del Coco, y que tienes un feliz Navidad. Chao. Chao. Chao.